Er reitet durch Spät, durch Nacht und Wien, das ist der Vater mit seinem Kind. First of all, Scorpion, welcome in my studio. Are you familiar with this Parisian studio? Have you ever been there? Tell me the truth. In this studio? Yeah. Of course, you played here live. I think we have been here. Yeah. First question, première question un petit peu idiote. Sur votre album, sur le DVD, vous remerciez beaucoup RTL Group. Why do you thank so much RTL Group? Were they very involved in this DVD? Oh yeah, RTL was with us in Athens and they're supporting us with this project. Ils nous ont aidés lors du concert de Athènes. Il y a beaucoup de publicité qui est faite par le groupe RTL partout. Il y a même des émissions spéciales à la télévision qui sont passées sur Fox et sur RTL en Allemagne qui vont être transmises ailleurs en Europe. Donc c'est une très belle collaboration et c'est pour cela que l'on cite RTL. Welcome in RTL French Service. Bienvenue à RTL à Paris, dans nos studios. Alors, j'aimerais pour la nouvelle génération que vous vous présentiez chacun l'un après l'autre. Can you present yourself for the new generation? You first, on my left-hand side. Rudolf, who are you and what are you doing in the band? So, I'm Rudolf Schenker from the Scorpions. I play guitar and Scorpion, composing. Je joue de la guitare et je suis également compositeur. Moi, je suis Mathias Yamps. Moi, je suis Mathias, je suis également guitariste au sein du groupe Scorpion. Je compose aussi et dernièrement, je joue énormément de guitare acoustique. My name is Klaus Meine. I'm the lead singer from the Scorpions. Lyricist, je suis chanteur, je suis parolier, je suis compositeur et de temps en temps, je prends la guitare. And I forgot something. Yeah, I'm a singer too. Especially. We all forgot for a moment. Alors les gars, je suis très content de vous voir là parce qu'on a quand même eu peur parce que vous avez quand même déclaré il y a quelques temps que vous vouliez vous arrêter. After the tour, you just did the farewell tour. Yeah. Do you plan to do another one called the comeback world tour? I think we are still on our farewell tour. We always said that after this long trip around the world for like 2.5 years, we would just be open for a special project. One of them is the MTV Unplugged, which just came around the corner as soon as we played all our show. But then we realized also we haven't really played in all the countries where we used to play. Like there's some missing, like UK and Japan and Korea and other places. And we decided that we, within the next year or two, we will also pay a visit to those countries to say, arrivederci. Maintenant, vous allez continuer, c'est sûr. You will continue. That's what you said. You don't want to stop. But why did you want to stop? What a crazy decision. What a crazy decision. Yes, yeah. Klaus. I mean, after 40 years, you know, and especially when we recorded Sting in the Tail in 2010, when we released that album, all of us thought, wow, this might be a really like a climax in a long career, you know, and we had no idea how we can top that album, you know, because we hit the Scorpions DNA with our fans around the world perfectly in a way. It was a successful album and we thought, what a good way to, fou, know, to find dit, your oui, way en fait, out of this. And then, of course, we want to go all over the world. And then, like Mathias said, we haven't been everywhere. C'était notre ADN, l'ADN de Scorpion. Ça a eu un succès fou. Les fans l'ont très bien reçu. On s'est dit, voilà, ça c'est une belle sortie. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait bien fait une tournée mondiale, mais qu'on n'avait pas visité tous les pays.
et là, et pourtant on a fait 200 concerts. Et là, on s'est dit bon, il y a encore des pays à visiter, et on s'est rendu compte qu'il y a un peu. On est à 250 sur une autoroute allemande, et tout à coup, on freine d'un coup. Non, c'est pas possible, il faut y aller doucement. Alors donc, on s'est dit que c'est pas bon, qu'on n'allait pas faire une tournée mondiale comme celle qu'on a fait de la même envergure, mais qu'on allait faire quelques spectacles, qu'on allait prendre du bon temps, qu'on allait travailler sur des projets assez particuliers. Et puis, à ce moment-là, est apparu le projet de MTV. Alors, est-ce que vous êtes des garçons heureux maintenant en 2013? Are you happy guys together in 2013? Tell me the truth. How is your relationship between you? So many years have passed. You can see us. You know, we not have blue eyes. We have no fist fights and stuff like this. We enjoy still. That is the career of the Scorpions over 40 years. And really, on est là, vous voyez bien, nous trois, il n'y a personne à Neuilly au Bernois, on n'a pas commencé à jouer de nos poings. Non, non, en fait, c'est une belle carrière, Scorpion, c'est 40 ans. On a vécu la vie dont on avait rêvé. Alors, comment être malheureux, comment ne pas être satisfait? Bon, ben voilà, on revient à Paris, on revient en France. Alors, ouais, c'est vrai qu'on est responsable du Baby Boop de 85, hein, donc on est content d'être accueillis ici, qu'on nous souhaite la bienvenue. La France est une source d'inspiration, donc on est très heureux d'être là. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour dans votre carrière d'avoir envie de vous arrêter? Had you the opportunity to stop your fantastic adventure in the 80s, 90s when you were very successful and you maybe just one day you said it's time to stop? You never stopped, you never give up. Even you had your problem with your voice, Klaus. Yeah, I think the key is, you know, in a long career, you know, une carrière comme ça, il y a des hauts et des bas dans une très longue carrière. On ne peut pas rester 40 ans sur lui. Enfin, si, peut-être maybe les Rolling Stones. Stone. I don't know, you know, but I mean, I think it's this is what you do. And when you hit the ground, when you go through rough times, it's important that you mais stand up c'est vrai again. Que ce qui nous est arrivé, c'est par exemple quand on a touché le sol et que c'était trop dur, on s'est dit voilà, il faut se relever. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir cette puissance, cette volonté de se dire on peut recommencer. Il y a eu un moment dans les années 80, toute la musique plutôt techno, plutôt une musique différente, d'une alternative. Mais nous, on est revenus très fort. On a joué avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. On a participé à un festival très important pour le hard rock. Donc on a fait bouger, on a fait rock. Le monde a bougé à notre son, du rock, notre son. To the top and to have a chance to do an MTV Unplugged, it's an honor, you know. Et puis après, il y a eu cette proposition là juste dernièrement de MTV Unplugged. Alors c'est quand même une offre magnifique parce que c'est toute une histoire. Il y a une grande famille qui a participé à ce programme et on peut faire partie de cette grande famille qui est composée d'excellents musiciens. Et voilà, donc on est là, on va continuer et on va continuer à vivre de notre passion, on va le faire passionnément. Where do you live? What's your way of life outside the Scorpion business? Are you living very far from each other or not? You're still in Germany? We all live around the city of Hanover. On habite tous à Hanover. Alors Klaus et moi, on est vraiment à pied. On est vraiment à côté. On est vraiment voisins. Alors Rodolphe, lui, il n'est pas vraiment à une distance. Enfin, en courant, il peut nous rejoindre, ou à vélo, même en voiture. De toute façon, on se retrouve souvent pour aller enregistrer en studio. And we don't have that much spare time. And in the end, you know, we like it where we live and we never had the time or opportunity to move somewhere else and it wouldn't make any sense. Since we're on the road so many times, it doesn't matter. Pour vous dire la vérité, on a vraiment très peu de temps libre. Alors on est bien là où on vit. Ça n'aurait aucun sens de déménager parce qu'on est tout le temps sur la route. Et puis, bon, on pourrait habiter à Hanovre, à Paris, à Los Angeles, mais c'est vrai que toutes ces belles villes, on les visite. Et au final, quand on rentre chez nous, à Hanovre, c'est paisible, c'est calme, on peut se ressourcer. Donc on est très bien où on est. Est-ce que vous pouviez imaginer, quand vous avez démarré votre aventure dans les années 60, que vous seriez le groupe que vous êtes devenu? Could you imagine in 65 when you started the band that you will be one day a fantastic band, well known all around the world? It was 1965. Now we are 65. You are. And the interesting thing is that the place we played, the MTV Unplugged, was this amphitheater was built in the same year. The same year. That's amazing and
birthplace of the democracy. Vous vous rendez compte, on a effectivement commencé en 65 et on a 65 ans. C'est dingue quand même. Et c'est comme le lieu où on a enregistré en fait ce MTV Unplugged. On était passé là au début, la même année. C'était le début de la démocratie. Enfin bon, tout a très bien fonctionné pour nous. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez quand on a décidé au tout début de se dire bon, ben on va devenir des musiciens professionnels. Voilà, mais vous êtes fou. There is no future for it. Exactly. There's no future. So exactly. That was that's unbelievable. Yeah. And now we are 65. Voilà, on en est. Bah, écoutez, finalement, on a fait 65 ans. On fait le MTV Unplugged. On a plein de fans qui arrivent, qui disent surtout, n'arrêtez pas, qui insistent et qui nous demandent de continuer. Et moi, je crois que là où on veut, on peut. Alors, quand vous étiez jeune, we were very young, teenagers, were your parents supporting you, Klaus? What was your father doing? Yeah, well, my father played music with his friends himself, but just not professional, right? Just with friends at the weekend. And, mon père, so, lui, jouait de la musique avec ses amis le week-end. Donc, au début, il était très heureux, il m'a acheté une guitare, et il s'est dit, c'est génial, il va chanter, ça va être un loisir. Mais alors, quand il s'est agi d'en faire une profession, bah, il était un peu déçu et un peu inquiet. Mais bon, il m'a quand même soutenu. Et puis, il y a eu le grand concert au Madison Square Garden, où on a fait venir mes parents et les parents de Mathias dans la ville de New York. On les a installés là-bas, on leur a fait visiter. Et je crois que là, les parents ont été extrêmement fiers de ce qu'avaient fait leurs enfants. Et puis ma mère était là et donc on commence par notre ami Mathias qui lui dit qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire après le concert, après l'album platine de platine, et ben pour vous dire un peu que c'était décalé, Rudolf, il s'est dit bon ben voilà, je vais essayer de continuer de faire la même chose. Get another one. Yeah, that's what I did, of course. Yeah. And you? My father was actually very not amused about my idea to buy a moped called motorcycle, because he said, you know, I don't want buy you a motorcycle to maybe give you a ticket for getting dead, to kill yourself, you know. So in this case, when I came up with the situation, because I'm a music lover, son père voulait absolument pas lui acheter une motocyclette. Donc quand il a changé d'avis, il lui a demandé la guitare. Et ben, papa a trouvé ça fantastique. Son père donc était architecte, il construisait des maisons, et il a trouvé ça génial qu'il devienne musicien. Et d'ailleurs, il a mis la main à la poche. Il a même travaillé sur le poster, le premier spot, l'un des premiers posters qui annonçait les concerts de Scorpion, qui était fait dans un papier tout à fait spécial qu'il fallait enrouler dans un tube, mettre au soleil pour que l'encre commence à couler. Donc vous imaginez la journée de travail pour pouvoir obtenir tous ces posters. Ensuite, il partait avec son frère coller les affiches genre Scorpion en concert à Wittbergen. Donc ils allaient là-bas. Under a special paper, then you have to put it into a kind of tube, and then Samyakgeist, you have to hold it in the sun. And then the print comes with Samyak guys. It was unbelievable. And you had to work for maybe printing this kind of stuff
you had to work one whole day and then going out, and my father was driving, and we, my brother and me, we went out and then putting on the Scorpions playing now in Wettbergen, stuff like this. So he was very interested. And then what he also did was he was recording our shows already in these days. And then he said, you know, guys, you have to change a little bit here and there and stuff like this. Then my brother, who was 7 years, he's 7 years younger than me, he came on stage to make a kind of special appearance by puis, singing toute la famille était de l'affaire, hein, donc il y avait papa qui allait enregistrer les spectacles guitar, et les concerts et qui disait, bon, alors là, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Mother, puis par la suite, le frère qui avait 7 ans de moins, donc montait sur scène, se mettait à chanter avec sa petite guitare Tear Goes By. La mère s'assurait qu'en fait tous les membres du groupe finissaient par rembourser toutes ces sommes qu'avait gentiment avancé papa. La seule qui faisait la gueule, c'est la petite sœur, parce que la petite sœur, elle restait toute seule à la maison pendant que tout le monde, toute la famille, allait assister aux concerts, aux nombreux concerts du groupe Scorpion. En 2013, vous êtes de retour avec un superbe album, un album qui est enregistré pour MTV, un Unplugged album. Who had the idea to do this kind of concert Unplugged? Qui a eu l'idée de faire ce concert Unplugged? Mathias. The idea was addressed through MTV, yeah, and through Sony Music, yeah, and you know, just when we thought we were safe after the tour. Pour ce projet de 2013, donc de l'Unplugged de MTV, en fait, ça s'est fait entre MTV et la maison de disques Sony Music. Alors, juste au moment où on se disait, ça y est, on est hors de danger, on est tranquille, et ben voilà, ils ont eu cette idée qui était tout à fait géniale. Alors, c'est vrai que c'était un grand défi pour nous parce qu'il fallait retravailler tous les arrangements. Il y a certaines chansons qu'on a chantées, qu'on n'avait jamais chantées sur scène. Il y avait des chansons des années 70, des chansons des années 80, mais des chansons aussi bien plus récentes. Ça nous a pris 6 mois de travail pour arriver jusqu'à C'était une sorte de pari. It was a kind of bet. You are not sure of the result when you started. No, of course not. I mean, it is a long process. You learn. Et puis on n'était pas sûr d'y arriver. C'est un processus très long. Alors on apprend sur la tout au long. Et puis au début, on s'était dit qu'on allait avoir deux guitares. Finalement, on a eu 5 guitares différentes. Et puis on s'est dit qu'on allait jouer à 3. Finalement, c'était un octet, un octuor. Et puis on a rajouté une mandoline, un accordéon. Donc, et puis il fallait quand même tenir 2 heures et demie de concert, ce qui est quand même très très long. Donc voilà.